Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite sortie sur Monrieux. Allez, à tout de suite en vidéo. Bon allez, on est parti avec les copains derrière, on va faire un petit tour. Je pense que ça va être un petit peu cardio. Pas la grande forme aujourd'hui. J'espère qu'on va pas croiser un pangolin enragé sur la route. Voilà, donc faites attention quand même à vous pendant ces temps de crise. Voilà, et puis bon, on va essayer de continuer à faire un petit tour de VTT de temps à autre, tout en gardant un peu plus de sécurité entre nous, pas de vis, tout le soin quoi. Et puis voilà, on est dans la nature et à plus d'un mètre l'un de l'autre. Il y a David devant. Jour du bon signe là. Vraiment monté. Un bonheur. Ouais, c'est parti. Un petit morceau de descente, pas long. Mais technique. C'est parti pour la montée de la mort. Très rare qu'on arrive à la faire sur le vélo. On se retrouve en haut. Je vous ai coupé le milieu et c'est passé. Je suis en haut. Ah, juste pour vous montrer ma tronche en haut de la montée. Là. Celle-là, là, elle m'a pas laissé indemne. Voilà. Voilà le morceau. Tu sais qu'il paye pas les pneus là. Ça pédale encore un petit peu. Senti un petit peu technique. Oh, c'est que du bon. Aïe. Mon pneu. Un peu plus en pleine, un peu moins technique. Et là on part en direction d'une descente vraiment, vraiment technique et assez longue. Bon, on va se régaler. Là, les choses sérieuses vont commencer. Bon voilà, on y est. Descends que je vous parlais. Celle-là, elle envoie du pâté. Attention. La merde pour repartir là du coup, mais c'est pas grave, ça va repartir.
Allez, c'est reparti. Celle-là, c'est une pépite. Franchement, si vous allez sur Mehuna, je vous la conseille. Alors bien sûr, toutes mes traces, vous pouvez les récupérer sur Strava. Au même nom que la chaîne VTT Attitude, vous me demandez un avis. Je vous ajoute, il n'y a pas de souci. Là, un petit peu pour se reposer un peu et après on va en repartir dans le vernis. Tombé, David ? Ouais. Tombé ? Celle-là, je vous la coupe beaucoup. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo avec l'intégrale, vous me le dites. Joli. Là, là, faut descendre là. Ah non, mais là, c'est trop tard. Par le milieu, là. Entre les deux. Allez, go. Go. Attention, j'arrive. La difficulté, c'est d'arriver à garder un peu de vitesse parce que souvent il y a des rochers qui nous tapent dans l'avant, qui nous arrêtent. Donc il faut garder un minimum de vitesse dans le technique quoi. Pour pas être stoppé net. Et après, ça se descend. Ça fait peur, mais au plus tu arrives à garder de vitesse, plus tu t'aperçois que ça descend mieux, plus ça gomme plus. Et c'est vrai qu'on a du mal à débrancher le cerveau dans des parties comme ça pour dire tiens, faut que j'accélère. Fait comme on peut. Une descente plus que magnifique, hein. Un petit tronçon de FCI maintenant pour rejoindre la toute dernière descente. Et puis voilà, on en aura fini pour aujourd'hui. Petit pour la dernière descente, elle va être un petit peu moins technique que la précédente, mais beaucoup plus ludique. Enfin, si je me rappelle bien. Aïe. Et plus pentu surtout. Oh.
putain, il y a un arbre. Au fond, ces arbres, j'ai l'impression qu'ils bougent quand ils vont y arriver. Ils gagnent sur mon vélo. Paf, paf, pif. Bouyagucha. Il y avait un air. Oh là 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 là. Je vais faire comme ça. Et un petit pneu. J'ai des envies, c'est ça. Attends, pas comme ça. On n'a pas le droit, moins d'un mètre. Moins d'un mètre de mon cul, alors, c'est coronavirus en ce moment. Alors, on n'a pas le droit. Sans déconner. Bon, ben, petite crevaison, hein. Enfin, grosse crevaison. C'est reparti pour un tour. Putain, il a tordu là-bas. C'est reparti, la petite crevaison. Petit canyon. Ça m'a tué, cette pole. Plus dedans. Belle sortie encore, il y avait de quoi s'amuser, toujours au top.